Il est 4h15 et j'ai mon train pour Bordeaux à 6h du matin. Et je vais aller rejoindre Manon. Attendez, je suis dépitée d'aller chez elle. Je vous dis quand même bonjour. Comment ça va vous? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et on part pour Bordeaux. Oh ouais. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas en train de faire mes besoins, je suis assise sur les toilettes pour vous parler. Il est actuellement 10h43, j'arrive dans 15 minutes et je suis surexcitée. Je n'ai jamais été à Bordeaux de ma vie, j'en ai entendu que du bien. Apparemment cette ville est géniale, du coup je vais pouvoir découvrir ça. Je vais pas vous mentir, je suis usée. Je suis dans le train depuis 5h50 du matin exactement. Il n'y a aucun wagon-bar, il n'y a rien. Je n'ai pas eu mon café du matin. Là, je suis en manque. J'ai qu'une hâte, c'est d'arriver pour aller prendre mon café, mon matcha, je sais pas, mais juste me poser et changer d'air. Je pense que j'avais énormément besoin de bouger de l'île. Et là, ce petit séjour, il tombe parfaitement. Dès que j'arrive, je rejoins ma copine, Manon, et ça va être trop cool que ce vlog à Bordeaux commence. Bien arrivé à Bordeaux. C'est parti. Manon arrive dans exactement... Ah bah elle est là. Elle est là. Je suis surexcitée les gars. Duo de choc. Ah ça. On s'est posé dans un petit café à côté de la gare. Manon est en train de faire tous ses petits mails, du montage. Et moi, j'écris dans mon journal. Dans une heure, on peut aller dans notre Airbnb pour apporter nos valises. Manon, elle a pris tout sa garde-robe. Bonjour. Entrez, allez-y. Nous sommes actuellement à Bordeaux. Nous sommes dans le quartier Saint-Nicolas. Nous avons la cuisine. Mais j'avais pas vu ça. Et ça, faut toucher ou faut pas toucher? Après, elle a dit, c'est si vous finissez, vous remplacez. Voilà, donc... De toute façon, on le verra jamais si on manque d'eux. Petit salon, nous avons un petit jeu. Canapé, confit ou pas confit? Très confit. Ah, ça, tu l'avais pas vu. Toi qui es une grande fan, Manon. Taylor Swift. Ah. Attention, nous avons des petits livres qui avaient l'air super sympas comme celui-ci. Toujours plus. J'ai le tatouage quelque part. C'est vrai? Pas du tout. Amour solitaire. En plus, elle a les deux. Bah, c'est bon, on peut en voler un. Astro truc. Putain, on va s'amuser. J'aime bien, c'est très girly. Ouais. Très Pinterest. Ouais. On a bien choisi pour nous deux les créatrices de contenu. Hop, les toilettes. Les petits caca de Manon vont se faire là-dedans. Et la chambre. Faites pas gaffe à la caméra, nous sommes filmés. Et la petite salle de bain. Trop mignonne. Ça va faire la petite skincare. Ça, c'est le gros plus. Ouais, alors ça. Le balcon. On fait comme les gens en croisière. C'est qui te regarde? Elle a fait coucou ma vie. Elle est trop mignonne. À Skif, c'est la grosse cloche. En plus, on est mardi 6 juin sur la grosse cloche. Donc je pense que c'est bien à jour. C'est trop. Maintenant, elle me fait un petit tour de Bordeaux. Et là, on va rue Saint-James, donc qui est cette rue-là. Ce bâtiment, je le trouve magnifique. Du coup, ça, c'est la rue Saint-James. C'est grave mon quartier ici. Ça m'étonne tellement pas. Ah bon? Il est où le Hotley? Voilà. Et là, on va aller chez Books & Coffee. Bon appétit. Il y a quoi, toi, dedans? Ah oui, t'as pris le classique. Le classique. Oh, oh, on grave ça. Ouais. Je t'ai dit le pain. Ouais, le pain. Tu sais qu'on a pas le même style, mais tout à l'heure, moi, je vois deux mecs. Ils ont ton style? Moi, j'aime bien une petite moustache, tatouage. Non, t'es fou, là, Bordeaux, il y a que ça. C'est wow. Ça ou les surfeurs? Non, bah jamais. Ouais. Je vais abonner. You know you love me. Il est grave bon, Charles Tuggy. Ah ouais? Ouais. Tu veux goûter ou pas? Non. Ça me fait peur.
On vient de rentrer de notre après-midi. Je suis frigorifiée. Je m'attendais réellement à ce que Bordeaux, je sais pas, il fasse 25 degrés. Ma tenue de demain, je vous spoil pas, mais c'est une jupe. J'ai jugé Manon avec sa grosse valise là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as ramené là-dedans pour deux nuits? Elle m'a parlé de pull. Là, je suis en train de regretter parce que moi, dans ma petite valise, en fait, on est sur plutôt des jupes, des petits débardeurs. Ouais, mais bon, ça va être stylé. Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ma tenue de demain. Sinon, il va être 18h. On est rentré il y a à peu près 30 minutes. J'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui parce que bah, je vous avoue qu'avec Manon on se retrouve. En vrai ça fait un an je pense qu'on s'est pas vu. Donc ouais, elle date la blatte. Donc on avait pas mal de choses à se raconter. Des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être sur les réseaux sociaux. Et sinon le plan c'est cool. Et je pense qu'on va aller juste se chercher une petite bouteille de vin. On va encore une fois papoter. Je suis clairement en train de souffrir pour la marine de demain. Après normalement il annonce du soleil demain. Puis au pire ça ferait une belle photo Instagram. Bon du coup je me suis changée avec ce haut. On va aller voir ce que Manon fait. On va aller l'embêter, c'est parti. Est-ce qu'elle travaille bien Manon? Oui, promis. Je stabilise les plans. Vous voulez savoir pour qui je travaille? Pour la reine d'Angleterre. Ah, she's dead. T'aimes Astral? T'es quel signe? Gémeaux. On n'est pas aimés les Gémeaux. Oh, tu sais, je suis Scorpion. Ah, moi ça va. En fait. Bah, ouais, j'ai l'habitude de pas être aimée. Scorpion, t'aimes bien ou... En vrai, je t'avoue que genre, je fais ce que tu veux. Tellement pas. Ouais. Tu sais, en fait, moi, je m'en fous des signes astro, mais je suis archi fière d'être Scorpion. Et je suis en mode, je crois qu'il n'y a pas plus Scorpion en fait. Mais vraiment, le bail de ouais, t'aimes bien les vierges, je sais pas. Est-ce que toi, c'est un monde qui t'intéresse? Bof. Après, ok, why not? Tu vois, moi, dans la description du Scorpion, je me retrouve de fou. Ouais. Et tout. Mais bon, de là à baser ma personnalité et mon avis sur ça, il faut doser, tu vois. Genre là, s'il te plaît, il y a des chapitres, c'est « Saturne est-elle la dépression ?»« La lune noire, cette prêtresse gothique !» Mais ça va pas. Bon, je suis où moi là-dedans? C'est ça le plus important. Je te jure, le Gémeaux. Et ouais, donc du coup, c'est le genre de musique que j'adore. Je pense que c'est vraiment le genre de musique qui en ce moment m'inspire. Ok. Ok, vraiment, Airbnb est chaotique, hein. On conseille pas. Y'a qu'un verre! Tu peux vite boire un bidon avec ça. Ah, meuf, je suis pour ça. Alcoolique. Je suis alcoolique. Vous avez pas remarqué dans chaque vlog, elle boit. Tenez. Ah! Oups! Ah, alors, ça va être trop sucré! Ouais, j'allais dire. Il s'en vient le moelleux là! Dans sa tête, c'était vraiment. Ah, elle va être trop contente! Ouais, je sais pas. Et du coup, il me dit, bah ouais, c'est cool et tout. Et moi, tant que je le vois enthousiaste, moi, je sais qui je suis, je sais comment je vais agir, tu vois. C'est vrai, meuf, 5 voire 6 heures qu'on parle. Et on a encore plein de choses à te raconter, c'est certain. On a encore plein de choses à te raconter et. Et voilà, c'est trop bien. Allez, bah. Bonne app maintenant. Ah, ça me gave! Mais 20 nuggets for what? Mais bien quand tu vas à la canon en fait. Tu sais, c'est grave populaire. C'est genre là où il y a le championnat de surf et tout en été. Hein. Ouais, ouais, du coup, il y a grave d'Australiens et je tout. Je viens. Je craque. Moi aussi. Il fait combien de température en fait? Vraiment soleil, je suis désolée. Soleil. Hier soir, avant de nous endormir, notre petite activité du soir, c'était Inge. On est tombé sur des messages vocaux. Regarde, lundi, la fraîcheur matinale, le soleil l'après-midi, les sports d'hiver. Est-ce que toi aussi, t'es team, tu gardes les caleçons des gars? Quoi? Non. Mais pourquoi ils repartiraient sans? Non, mais genre, t'es chez eux, et on va dire t'as pas de pyjama. Bah, tu prends un caleçon en mode un t-shirt, et maintenant, ça devient ton pyjama, non? Ça m'est arrivé, mais après, je le refous dans le bagage sale quand c'est je pars. C'est vrai? Ah, moi, j'adore, ah, je suis pas une voleuse, moi. T'es trop bien dedans. C'est sûr qu'elle s'appelle Pauline. Ouais, je te jure que c'est vrai. Pauline ou Chloé qui a fait de l'équitation. Ah ouais, moi, c'est Chloé. Possible, mais elle est âgée alors. Hein. Ou alors une petite Mélanie, un truc comme ça. Ah. Mélanite.
ça, c'est le Bordeaux que j'attendais. J'ai l'impression que ça fait un an que j'ai pas vu de soleil. À Lille, ça existe pas, ça. J'en suis limite émue. Hier, on a passé une trop bonne soirée. De base, on était censé aller manger à l'extérieur. On s'est fait un petit apéro vers 18h. Et là, on regarde nos téléphones, on voit minuit. Du coup, le resto s'est commandé un petit McDo. C'était très sympa. On a fait que parler. Je pense qu'on s'est couché vers 3h du matin. Là, Manon se prépare. Et enfin, on va bouger. Je lui ai dit, s'il te plaît, montre-moi Bordeaux. En plus, il fait super beau. C'est trop agréable. Vraiment, je suis trop contente. Bon, normalement, il pleut demain toute la journée. Du coup, aujourd'hui, on profite. On va aller faire tous les trucs touristiques. Je lui ai dit, tu me montres ton miroir d'eau, là. La grosse cloche. On y retourne. Je veux revoir avec la lumière. C'est carrément une ville que je veux refaire cet été. Alors, c'est très, très, très cliché. Hein. J'en ai rien à faire. Je me vois trop en terrasse avec mon petit verre de vin rouge. Ça, pour moi, c'est la base. Je la trouve trop mignonne, ma tenue. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, hein, parce que je vous préviens, le photoshoot, il va être aujourd'hui. Je sais pas, je vois des gens avec des écharpes, des bonnets et tout. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ou est-ce que c'est vraiment parce que je viens de Lille? Et donc, pour moi, à chaque rayon de soleil, c'est l'été. Genre, on sort les jupes, les shorts, les tongs et tout. Je sais pas vous, mais mon moment préféré de ma journée entière, du moment où je fais ma skincare, mon make-up, I get ready, c'est quand je mets mon parfum. Portofino de Victoria Beckham. Ça sent l'argent. Quand je me mets du Victoria Beckham, j'ai l'impression un peu d'être elle. Ah, David Beckham. Phobie, je déteste l'ASMR. On va aller se poser dans un restaurant. C'est spécialité pancakes. Je suis trop contente que Manon, elle kiffe les pancakes. Parce que en soi, on aime tous les pancakes. On a sympa dimanche matin. Mais je trouve ça super rare comme les gens qui veulent aller dans un restaurant où genre il y a que des pancakes. Et là, quand elle m'a proposé ça, j'étais en mode ok, green flag. Genre les pancakes, ma vie. Que mon prochain mec me fasse table dimanche matin. Si tu peux me faire un petit matcha à côté, parfait. Genre on se marie quand tu veux. Ce que j'aime avec Manon, c'est qu'on se complète, même avec nos petits styles. Montre-nous ton outfit of the day. Je pense que quand t'as goûté à t'habiller toujours confortable, c'est trop dur de repartir sur un truc. T'es là, t'es serré. Mais du coup, t'en penses quoi des jeans slim? Les jeans slim, moi j'adore. Et les jeans slim chez l'homme? Et vraiment, c'est un kink chez moi. Genre les jeans slim, je trouve ça archi beau. Alors quand il y a des trous, je vous en vois même pas. Regardez par où on passe. La grosse cloche. Tu vas me dire que mon miroir d'eau là, pourquoi je suis venue à Bordeaux, y'a pas. C'est trop deg. Attends, faut que j'aille voir quand même. Donc là de base c'est rempli d'eau en fait. Ouais. Ok. Bah génial. Le miroir d'eau. Mais c'est toi, make some noise. Ouais, c'est moi. On va aller au café Pia et du coup on fait un petit détour par les quinconces pour que je lui montre un peu tout ça. On va passer par le grand théâtre, passer par le cours de l'intendance et ensuite redescendre vers musée d'Aquitaine en passant par hôtel de ville pour aller au café. Est-ce qu'on en parle des pancakes? En fait l'ambiance est cool, le principe est cool parce que tu choisis exactement ce que tu veux sur tes pancakes. Et pas cher du tout. Et pas cher. On a payé quoi, 13 euros chacune? Ouais, avec boisson et 3 pancakes avec 3 toppings, nappages. Ouais, et tout. C'est ça. Et en fait c'était juste sec et fat. En plus, ils le vendent quand même comme des fluffy pancakes. Hein. Ouais, c'est ça. Le fluffy, peut-être qu'ils l'ont oublié dans la cuisine. Un petit peu trop de farine. Hein. Ouais. Ça va aller le prix au final. C'est pas cher, donc c'est pas bon. J'aime beaucoup Bordeaux pour l'instant. Je mets un petit 8 sur 10. Oh, là, nous avons ici même le cours du chapeau rouge et avec sa petite place Jean Jaurès. Ok. Par contre, moi, j'ai pas compris. Il y a une fête foraine. Apparemment, Manon, elle m'a dit qu'à Bordeaux, fête foraine, ils s'y connaissent. Genre 4 fois dans l'année. Tu viens à Bordeaux pour la fête foraine. C'est quoi le vin à Bordeaux? Mais moi j'ai l'impression au plus je grandis au plus j'ai peur, ouais. Parce que j'ai pris en fait conscience du risque. Parc d'attractions, Disneyland et tout, rien à voir, ça j'adore. Mais là ça, tu sais la boule là en l'air. Non mais jamais on a tellement... La boule c'est pas pour moi. Moi c'est plus ce grosse cloche. Qu'est-ce qu'on visite avec la chaîne YouTube de Marine? Session photoshoot maintenant, allez voir mon Instagram direct. Je te veux. Tu viens à Lille quand tu veux. Stage, je te paye même ton loyer. Vous me prenez toute ma batterie, les gars, j'en veux plus. C'est pas trop.
chose te passe dessus. Ce sont vos bibis, on a contacté Chris. C'est un peu notre... Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu un member club, genre on appelle Chris. Pour l'entrée. Mais en plus, du coup, là, il a ouvert un resto de dumpling juste à côté de Bibi. Et il m'avait dit, la prochaine fois que tu viens, je t'invite. Avec Manon, on va sortir au resto. Et je vous avoue que j'ai pas de tenue. Genre, je suis venue en mode full summer. Du coup, j'ai pas trop envie de me choper à crève. Ce soir, la Manon, c'est moi. C'est parti, elle va me relooker. Retenez bien cette petite tenue. Ça, c'est tout marine. Et la nouvelle Manon, elle est là. Manon. Is that you? En vrai, on se sent trop bien. Alors... Pourquoi j'ai ce truc là à vouloir montrer ouais, mais parce que... Tout. C'est trop baggy pour moi. Parce que tu rends ça féminin. Ouais, parce que je suis en Marie Vansky, c'est ça. Une tenue appropriée pour le mois de février. Make some noise. Pour moi, là, je suis Justin Bieber. Mes crushs, dites-moi si vous aimez bien. Comme ça, notre prochain date, je me mets comme ça. Miniature. Je change de style. Ouais, elle a juste mis un sweat à capuche avec un baggy. C'est chaud si jamais au retour du resto, on voit un truc ouvert, on se prend une taille. Et s'il y a pas, ben on commente. Allez. Dans tous les cas, on boit. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait un trépied pour vous poser avec le liquide vaisselle. Du coup, elle a tout renversé. Pauline, elle est pas bien. Vous savez qu'en plus, la concierge, elle vient de m'envoyer en plus un message et toi, tu le sais pas, Marine, en plus. Ouais. Pour me dire, voici les règles à respecter avant de quitter le logement, sous peine d'être sanctionnée par Airbnb. Ouais. Là, elle vous carnage sur la plaque de cuisson. Les départs doivent se faire avant midi. Les clés sont à déposer dans la boîte aux lettres au nom de... Ah, mais elle s'appelle... Ok, on a le prénom. On va aller checker le LinkedIn, l'Instagram. Je sais pas si vous êtes comme nous, mais genre, quand vous connaissez pas une personne, vous allez l'imaginer forcément. Là, c'est pareil pour le Airbnb, puisqu'elle vit dans cet Airbnb, la personne qui nous loue. Donc on a vu sa personnalité. On voit que c'est un peu très Pinterest, etc. Du coup, forcément, avec Manon, on s'est dit, ouais, tu penses que c'est quel genre de fille? Bref, maintenant qu'on a le prénom, on va voir. On va voir si on a le prénom. Et m'a dit, les draps doivent être enlevés du lit, ou les poupelles vidées, la vaisselle lavée, rangée, machin, je sais pas quoi. La pression. La pression. En fait, ce genre de truc, c'est la base. On sait que la vaisselle, voilà, elle doit être faite, que les... Enfin non, il y a des gens, ils savent pas. Bref. T'as hâte ou pas de manger? Ouais, j'ai faim. Prends la sauce, c'est parti. On repart avec notre petit tupperware. Franchement, c'était trop bon. Satisfaite. Combien sur 10? Bah, en vrai, un bon 9,5 sur 10. Okay. Et pourquoi pas 10? Parce qu'il n'y a pas eu de carafe d'eau au début. Ciao. C'est bon ou pas? Wouh! Happy New Year! Pauline, je t'adore, hein, mais pourquoi t'as un seul verre à vin dans ton Airbnb? Oh, il y en a sur une qui font des rêves. Tu pourrais faire genre pro Inge, mais pas des réels sur Inge. Eh non! Tu sais que moi, mon Inge, là je l'ai enlevé. J'avais un voice note. Je chantais Baby de Justin Bieber. Déjà, ils doivent se dire putain, elle aime trop Justin Bieber. En fait, ça se trouve, t'étais cette personne cringe. Et c'est pour ça que je me suis dit, les personnes qui vont me liker avec ce voice note de moi en train de chanter Justin Bieber, c'est des mecs pour la vie. Vous pensez que c'est gênant ou quoi? Est-ce que vous pensez qu'elle est passée à côté de live à cause de son vocal Baby? Mais tu sais que je crois qu'ils ont la musique dans les oreilles. Il y a l'ensemble. Un gars, il met sur son profil genre mon moyen de me détendre, cuisiner et peindre. Donc je lui réponds, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner pour notre premier date? Ouais, trop bien. Et le gars me répond, bah je sais pas, t'as envie de quoi? Oh, c'est pas possible. Mais non. Et donc je lui dis, c'est à toi de choisir, c'est toi de cuisiner. Il me fait, ah ouais, on doit tout faire pour l'interrogation. Je peux pas. Donc je lui réponds, eh vas-y frère, retourne dans ta cuisine. Et on le voit quand même que ça va très vite, comment les mecs sont de moins en moins investis dans l'amour. Mais tu sais que moi, ça me désespère. Attends, bah j'ai tellement de trucs. Mais viens, en coup, j'ai envie de rouler. Ouais. On se casse, voilà. On rend le Airbnb dans actuellement 1 heure. J'ai mon train à 17h. Le tram là qui passe. On va devoir se balader avec nos valises. Un truc que je déteste le plus, c'est porter des sacs. J'attends qu'elle finisse de se préparer et on va aller se prendre un café. Ça fait 3 nuits d'affilée, voire 4, que je dors très peu. Et là, je commence à le sentir. Je commence à le sentir sur mon humeur. Je l'aime bien cet Airbnb, hein, mais avoir vu sur un tram qui passe toutes les 5 minutes, c'est chiant quoi. Ma vie, ce chapeau. Cette nuit, j'ai rêvé de quelque chose d'assez bizarre. J'étais avec ma grand-mère et elle faisait une pizza à la poêle. Déjà, personne fait ça. J'avais une amie qui a une petite fille de 4 ans. Et en fait, la petite fille de 4 ans était dans la poêle en train de goûter la pizza. Je me retourne sur la poêle, il n'y a plus la petite. La petite était sous la part. Elle s'était étouffée sous la pâte et elle avait grillé. Mais tu sais que je la prenais comme ça, la petite, je te dis, oh, un oignon frit.
Est-ce que tu penses que je vais avoir chaud comme ça? Là, tu vas transpirer de chaud. En vrai, ça devient chaud, ça. Je vais souffrir. Ouais. On n'a pas rangé la vaisselle. Attends, on va relire les règles pour savoir si on a bien tout fait. Les clés sont à déposer dans la boîte aux lettres. Les poubelles vidées, la vaisselle lavée et rangée. Allez, vas-y. En tant que youtubeuse, on fait pas trop ça de base, donc putain. On vous conseille cet Airbnb en fait. Moi, le seul truc, si je peux quand même donner mon avis, c'est le tram. Mais de notre côté, c'est un bon point parce que t'as le tram vraiment en bas. Ouais, c'est ce que je dis ce matin, on est sûr de pas louper notre tram. Ah oui, deuxième truc. Bah oui, vers verra. S'il te plaît, Pauline. Les points forts, c'est qu'il est très bien situé. Il est très joliment décoré. On se sent grave bien. Genre, la vibe, elle est trop agréable. Direction la route du kiff. Où va-t-on manger là? Contraste. Je n'ai jamais testé. Hein. Ah, t'as jamais testé? Moi, je pensais que j'étais à Marseille ici, tu vois. Pancakes. Avec sirop d'érable. Merci. Merci beaucoup. On inspire confiance. On a bien mangé. Mais après, oui, c'était pas non plus excellent. En fait, j'en ai marre, j'ai l'impression que c'est jamais excellent. Ouais, j'ai l'impression que dans ce vlog, on est trop... On est dur. On est très dur entre Pauline. En vrai, on est très second degré également. Mais non, il y a une grosse part de vérité. On a bougé du coup, le café trop sympa, il y a pas de soucis. Déjà qu'avec Manon on est gris depuis ce matin. On arrive dans le café, il y a personne. Du coup on est trop contente avec Marine, t'as deux gros nasses qui rentrent et genre elles sont en mode coucou. Mais il y a ça être vous, ça amie avec le barista, voilà. Mais là c'était vraiment Eo. Et elle criait dans le restaurant, genre. Les gens qui crient, genre. Je peux pas. Café. Et en fait, elles commencent à s'installer. Et genre, elles commencent à ouvrir leurs sushis, leurs brochettes de yakitori, je sais pas quoi. Déjà, je trouve ça irrespectueux. Ouais. Et puis en plus, à côté de nous. Et la deuxième meuf, elle va chercher de l'eau derrière le comptoir. Moi, ça commence à crier dans tout le café, etc. Que tu connaisses le barista ou pas, il y a des choses à ouais, pas faire. Ouais, enfin, genre. Et là, genre, t'as pas une go qui rentre avec un petit chien que vous avez vu qui est trop adorable. En vrai, le chien, c'est le deux main character. Et elle rentre avec le chien. Et là, tout le monde qui crie. Se lève de la table et tout. Mais c'est même pas en plus on est aigri ou de mauvaise humeur, ça n'a rien à voir, c'est vraiment. C'est juste que c'est pas respectueux. Ouais. Il faut savoir que depuis hier, il se passe des trucs trop bizarres dans cette ville. On a été témoins de choses. Mais hier, c'était pas ouf. On a assisté à un truc, c'était pas marrant du tout en vrai. Mais tu peux raconter en vrai. On était dans notre petit café Pia. Et là, on voit un couple qui discute et on voit les lunettes du mec qui s'envolent. Mais ça commence à chauffer. Elle commence à lui foutre une. Des patate. Coups de pied, des claques. Coups de pied. Elle commence à crier You're a cheater, fucking cheater. Et moi, le mot cheater. Ah ça j'aime pas. Donc là forcément nos oreilles avec Manon commencent à... Moi ce que j'ai pas aimé c'est que quand elle criait cheater, moi j'ai regardé la gueule du gars et il était trop en mode il la prenait comme pour une conne. Et là moi la scène qui m'a choquée c'est qu'elle lui a pris sa tête. Et il avait des lunettes, faut savoir qu'il avait des lunettes et il avait son vélo. Et elle poussait contre le mur. Et sa tête en fait s'est pris forcément le mur avec les lunettes, ça a dû faire trop mal. Bref et là elle se met à crier lui comme un lâche. Part, enfin en même temps bref, grosse merde. Et là elle vient et elle pleurait et en fait elle a commencé à expliquer et en fait elle, ça me fait trop mal au cœur. Ouais. J'avais les larmes aux yeux les gars. Et clairement elle commence à dire il a 40 ans, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on essaie d'avoir un enfant et il se tape une gamine de 20 ans. Et la gamine de 20 ans elle a dormi dans mes draps, enfin bref, et elle commence à tout expliquer en pleurant et là j'étais... Du coup toi t'es allée la voir. Ouais. Ça me fait trop mal au cœur. C'est horrible, genre les gars, vraiment les gars. Quittez, trompez, quittez. Et n'acceptez pas d'être trompé. La go quand elle a dit on essaye d'avoir un enfant. Et en plus, bon c'est intime et voilà. Mais genre elle disait qu'elle faisait des FIV et tout pour avoir un enfant. Enfin en mode ils galèrent, ils ont c'est un objectif de couple, de passer par le médical. Et là sachez que j'en parle pas en mode drama, gossip. Non ouais. J'en parle parce que vraiment en fait c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et là ce qu'on a eu en face de nous, ça m'a limite traumatisé pour elle. J'étais en mode. Allez, crash test. Crash test. Meilleur que nos fluffy pancakes. Franchement, je me régale. Oh wow. C'est bon les cannelés. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Mon retour à Lille depuis octobre n'a pas du tout été facile pour moi et sans vous mentir, ne l'est toujours pas. Mais je sais que cette phase est bientôt finie, étant donné que dans quelques mois, je m'apprête à vivre une nouvelle vie à l'étranger. Durant ces semaines, j'ai pu avoir tendance à me nourrir de pensées très négatives. Je m'étais faite à l'idée que j'allais rester bloquée dans cette spirale et que je n'allais jamais élargir mon entourage étant coincée dans une ville qui ne me correspond pas. Je ne me rendais pas compte que chaque jour était une nouvelle opportunité pour moi et que les personnes qui pouvaient me manquer, que j'avais envie de voir mais qui étaient loin, n'étaient pas à cause ou dû à la ville
dans laquelle je me trouvais, mais plutôt dû à mes propres initiatives. Je suis arrivée à un stade dans ma vie où je n'accepte plus les excuses, je ne prends plus la distance comme une défense. Si être seule dans une ville m'angoisse, alors c'est à moi de m'entourer, de m'ouvrir et d'aller à la rencontre des gens. D'où mon départ à Bordeaux. Ce départ m'a ouvert les yeux sur des choses qui peuvent paraître simples, mais qui m'ont finalement prouvé une fois de plus que lorsqu'on veut maintenir un lien, une relation ou simplement lorsqu'on se sent coincé chez soi, la seule personne qui peut tout changer, c'est soi-même, c'est sa propre initiative. I remember when